Alors bonsoir et merci de votre présence ce soir pour une seconde partie d'une conférence ou en tout cas d'un thème de réflexion sur les œuvres qui ne marchent pas droit. Je n'avais pas trouvé de meilleure définition pour évoquer ces œuvres un petit peu uniques qui parsèment les productions artistiques de l'homme. Ça va donc de l'Antiquité avec cette mosaïque romaine absolument unique, stupéfiante, là on peut dire, à la fois par son iconographie, par sa virtuosité. On était passé ensuite à l'époque médiévale où on avait regardé, donc je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou pour rafraîchir la mémoire de ceux qui étaient là. On était passé à deux décors, là aussi complètement uniques. À gauche, ce décor dans une petite église des Pyrénées. À droite, un décor de la Renaissance dans une église du Gers. Quelque chose pareillement de très étrange, très étonnant, qui laissait croire qu'il s'agissait peut-être de graffiti, mais on avait vu que ce n'était pas le cas, puisque ces peintures étaient consacrées et qu'elles se trouvaient dans une église. On avait ensuite vu certains artistes qui, dans leur carrière, tout à coup, produisaient une œuvre ou une série absolument stupéfiante. Donc Messerschmitt à gauche avec ses figures d'expression, et à droite Nicolas Dell'Arco dans une lamentation qui est conservée à Bologne de la fin du XVe siècle. Et enfin, on avait terminé la conférence avec ces deux œuvres complètement insolites, l'une de Edgar Degas, que l'on connaît plus pour des grands tableaux avec des nuances de couleurs absolument extraordinaires. Et à droite, donc, René Magritte avec sa très étrange période vache. J'ai d'ailleurs oublié un E, mais c'est bien la période vache de Magritte. Voilà. C'est juste le temps d'une exposition en 1948 que Magritte avait quitté, son style si propre, si bien organisé, sa si belle syntaxe, pour faire des peintures un petit peu ironiques, dégoulinantes, et qui bien sûr n'eurent absolument aucun succès. J'aimerais qu'on continue un peu dans ces évocations d'artistes qui nous surprennent, alors qui nous surprennent tant en tant qu'amateurs d'art, qu'en tant que consommateurs que nous sommes tous, si vous êtes là, de biens culturels. À travers l'artiste que nous allons voir, donc Nicolas Lagneau, nous avons affaire à un artiste qui semble avoir été animé d'une volonté têtue, irréductible, singulière, qui est de représenter donc sur des feuillets qui font à peu près un format un petit peu plus grand qu'un format A4, des personnages qui tous sont atteints de formes de... on ne sait pas si c'est parfois des expressions très étranges, comme à droite, on ne sait pas trop ce que fait cette jeune femme, mais ça préfigure les photos des cas d'hystérie que va faire le professeur Charcot. À gauche, vous avez un personnage alors, qui visiblement est atteint de difformité, mais que Nicolas Lagneau va traiter de façon un petit peu caricaturale. Alors Nicolas Lagneau, c'est un artiste qui n'est vraiment pas très connu et qui n'est connu que par 350 dessins. Donc c'est la preuve archéologique qu'il a bien existé, puisqu'on a 350 dessins. Donc un est signé, et par recoupement, on s'est aperçu que les autres, forcément, étaient de ce Nicolas Lagneau. Alors Nicolas Lagneau, il vit entre 1590 et 1660, on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est l'époque de Louis XIII. En France, c'est une époque extraordinaire pour la peinture. Vous avez à la fois des artistes comme François Quesnel, à gauche, avec ce magnifique portrait, où l'art du portrait atteint un sommet. À droite, vous avez une peinture mythologique de Simon Vouet, une peinture absolument... un chef-d'œuvre polyphonique au niveau de la couleur, des volumes, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et vous voyez qu'à côté, véritablement, donc Nicolas Lagneau s'obstine à faire ces personnages qui ne sont pas gracieux, qui ne flattent pas le public dans le sens du poil. En plus, comme vous le voyez, autant ce début du XVIIe siècle est un âge d'or de la couleur, des matières picturales scintillantes, brillantes,
Chez Nicolas Lagnon, nous avons des dessins qui sont faits à l'estompe, avec une virtuosité tout à fait limitée. Ici, vous voyez un dessin que nous avons la chance d'avoir au musée de Narbonne. Donc, le musée de Narbonne fait partie des musées qui ont la chance de posséder un des 350 Nicolas Lagnon. Donc, comme on pouvait s'y attendre, comme il est typique chez lui, un portrait d'une dame âgée dans une pose peu flatteuse. Ici, des scènes qu'il a vraiment beaucoup aimées, ces scènes un petit peu de taverne avec des gens qui boivent, qui ont des drôles de profil. À droite, une personne qui dort, est-elle assommée par l'alcool? On ne sait pas trop. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce genre qu'on pourrait appeler, qu'on a parfois appelé la bambochade ou la peinture de taverne, elle a eu ses génies. À gauche, Adriaan Brouwer, vous voyez, peintre hollandais, absolument extraordinaire, qui lui va faire à la peinture à l'huile des scènes absolument d'une vie absolument incroyable. À droite, un tableau de Velázquez qui lui aussi traduit ce goût, cet appétit pour les personnages du peuple, les personnages simples, mais à la façon de Velázquez, avec un souffle, avec une puissance et presque une virilité, je ne sais pas comment le dire autrement, qui est unique et qui n'appartient qu'à Raphaël. Et c'est vrai que donc Nicolas Lagnon, comparé à ces purs génies qui se sont parfois aventurés dans le genre de la peinture des bas-fonds, il paraît à la fois très très singulier. C'est pas un grand virtuose. Regardez par exemple le portrait de droite, c'est le portrait de Socrate. Bon, je pense que personne d'entre vous n'imaginait que Socrate pouvait ressembler à ça. D'ailleurs, en haut, il est bien précisé que Socrate est le plus sale des corps. Voilà, on voit vraiment la saleté sur le visage. Et regardez le plastron avec cette boutonnière. N'importe quel peintre à cette époque se serait éclaté, aurait fait des détails dans les plis, aurait démontré sa science de l'art pictural. Il en va tout à fait différemment de Nicolas Lagnon, qui lui va faire des choses extrêmement simples, extrêmement simplifiées. À gauche, vous avez le portrait de Platon. Bon, là encore, on imagine difficilement Platon avoir cette tête-là. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il est plus proche de Demis Roussos, du chanteur Demis Roussos, que de Platon. Mais bon, bref. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on l'a bien vu face à des concurrents extraordinaires. Nicolas Lagnon, évidemment, il fait pas du tout le poids. Mais c'est un peintre qui, véritablement, a un langage singulier. Ce langage, il n'en a jamais dévié. Dans la culture, alors, bien sûr que des peintres comme Adriaan Brouwer, comme Diego Velázquez, bien sûr, sont des grands peintres. Mais pourtant, la culture et les collectionneurs de l'époque ont toujours laissé une place pour des artistes comme ça. Très singulier, un petit peu irréductible, qui semble résister aux courants picturaux dominants. Alors, pour l'instant, du vivant de Nicolas Lagnon, cette place, elle est chez les collectionneurs. Dès 1667, c'est-à-dire de son vivant, très peu de temps, après sa mort, des dessins de Nicolas Lagnon rentrent dans les collections royales. Ces collections, bien sûr, étaient remplies de peintres, de grands peintres que nous connaissons tous, mais il y avait aussi une place pour ces artistes-là. Ici, vous voyez à travers cette représentation de ce qu'était un cabinet de curiosité, c'est-à-dire une collection privée, on voit bien ce goût pour la diversité. Bien sûr, les grands artistes sont privilégiés, mais il y a aussi un goût pour les petites choses, pour le désordre, pour les œuvres un petit peu inclassables. Ces artistes, donc, même s'ils ne sont pas au premier rang de la production artistique, ils ont une place. Pour l'instant, cette place, elle est, comme on le voit ici, dans les collections, mais petit à petit, par un glissement intellectuel, cette place des artistes qui sont différents, cette place des artistes qui sont au second plan, elle va devenir un véritable enjeu culturel. Cet enjeu culturel va mettre au cœur de son questionnement la production de ces artistes qui ne sont pas les premiers de la classe. C'est au 19e que tous ces artistes-là, petit à petit, vont être réhabilités.
Et on va même voir que la réhabilitation de ces artistes secondaires va engendrer directement ce que nous appelons la modernité. Le 19e siècle, donc, c'est le siècle des refusés. On invente cette notion-là. Historiquement, on pourrait la faire commencer en 1835, quand Charles Nodier, lui-même un écrivain très très étonnant, va publier la bibliographie des fous. Drôle d'idée. Il va partir du principe qu'il y a des livres qui échappent à toutes les règles communes de la composition et du style. Mais plutôt que de les rejeter, il va essayer de les rassembler et de voir ce qui les relie. Alors, c'est le premier livre sur le sujet, on est en 1835. Dans l'introduction, Charles Nodier justifie sa tentative. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour se moquer de ses auteurs, mais il pense que si on veut avoir une bonne connaissance de ce que sont les productions de l'esprit, il faut que ces artistes-là, nous les regardions. Et il finit cet extrait que je vous ai mis ici, en disant que peut-être un jour viendra un livre qui prendra une place essentielle et vide dans les annales de l'intelligence humaine. Jusqu'alors, tout ce qui rentrait dans la bibliothèque, c'était souvent les grands auteurs, les auteurs antiques ou les auteurs modernes qui souvent faisaient une grande part à l'antique. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que les auteurs frappés d'infamie peuvent occuper une place importante, essentielle et vide encore dans les annales de l'intelligence humaine. En 1860, on reprend cette idée. Donc, par l'histoire littéraire des fous, Octave Delepierre a fait un livre beaucoup plus riche. Celui de Nodier faisait à peu près une trentaine de pages. Là, on est dans un livre de 200 pages qui propose d'étudier ce que sont ces fous littéraires. Dans la peinture, il y a aussi Durandam. En 1855, Courbet, refusé de l'exposition universelle, va décider de prendre sa liberté et de ne plus attendre la reconnaissance. Et il va donc se faire construire par un mécène montpelliérain, Alfred Bruyas, un petit pavillon, rien que pour lui, que vous voyez à gauche. Il va y exposer 40 tableaux, donc à droite un des plus célèbres, un coin d'atelier. Et c'est là le premier salon indépendant d'art. C'est le premier salon dissident d'art. 1855, 20 ans après cette première étude de Charles Nodier, on est cette fois dans le domaine de la peinture. 1863, donc très peu de temps après, et toujours dans le domaine de la peinture, le salon des refusés. Ce qui se passe chaque année, il y a le salon de peinture au Louvre. En 1863, tous les artistes qui ont été refusés, pour être exposés, il fallait montrer des œuvres, faire une sorte de candidature. Les artistes refusés obtiennent de pouvoir exposer dans un lieu à côté du salon des acceptés. C'était très étrange, vous aviez le salon des acceptés et à côté le salon des refusés. Dans ce salon des refusés figurent en fait tous les grands peintres que nous voyons aujourd'hui au musée d'Orsay. Vous avez par exemple ce tableau absolument mythique de Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe, qui est refusé en 1863. Mais le plus important pour nous, pour comprendre un petit peu cette ascension des artistes refusés, c'est qu'un catalogue est édité, le catalogue donc des refusés. Et il est écrit par Fernand Desnoyers, qui va écrire que finalement, on trouvera bien plus de hardiesse et d'essais, bien plus de tentatives malheureuses, mais courageuses, dans les tableaux refusés que ceux reçus. C'est-à-dire, on a même un critique qui émet l'hypothèse que ce qui est en dessous, ce qui est refusé, finalement, c'est beaucoup mieux que ce qui est en premier. C'est une sorte de révolution dans le monde de l'art qui était dominé par les académies. À
À cette même période, un peintre que vous connaissez, qui s'appelle Paul Cézanne, que nous connaissons par ses grandes compositions absolument magnifiques, enfin, où il a réussi un petit peu à transcender le genre du paysage, le genre de la nature morte, en captant des vibrations de lumière absolument miraculeuses. Avant d'en arriver là, Paul Cézanne va passer par une période que lui-même a appelée sa période couillarde. Donc, il se retire chez lui à Aix-en-Provence, et là, il fait des tableaux que l'on peut qualifier de véritablement épouvantables. Donc, cette Madeleine de 1869, il faut se dire qu'à l'époque, la peinture, c'est la peinture de salon, avec des modèles absolument magnifiques, harmonieux, avec un art de la matière picturale, avec des brillances, avec un dessin absolument magnifique. Donc regardez ce que fait Cézanne, eh bien, sa matière picturale est horrible, elle est empâtée, là où les artistes adorent faire des jeux géniaux de plis, etc., bien, lui il fait des gros pâtés bleus, des gros pâtés blancs. Marie-Madeleine, qui en général est un modèle de sensualité, c'était quand même la compagne du Christ, voilà, c'est toujours une femme très sensuelle, bon là on ne peut pas dire qu'elle soit à son avantage. Donc, D'où Cézanne s'inspirait. On aurait tort de croire que Cézanne s'est retiré à Aix-en-Provence et dans sa chambre, il a décidé de faire ça. Pas vraiment. En fait, Cézanne, par goût de transgression, il va se dire « Mais maintenant, j'en ai marre. Je ne vais plus imiter les grands peintres, les peintres qui font carrière. Je vais imiter la peinture populaire, la peinture d'église. » Je vous avais mis un exemple à droite. Donc c'est cette peinture qui a survécu un petit peu à toutes les révolutions esthétiques, et qui est une peinture simple, simpliste, mais qui a des caractères de monumentalité. Et vous le voyez, c'est à travers ce vocabulaire que Paul Cézanne a commencé sa révolution de la peinture, qui allait être la révolution de la peinture tout court. Donc, s'inspirer non plus des modèles antiques, mais plutôt de la peinture d'église, de la peinture populaire. On va trouver s'exprimer cette fois dans le domaine de la poésie, où ça gronde aussi. Arthur Rimbaud est un tout jeune poète, il a 19 ans, il écrit « Une saison en enfer » et il parle de lui au passé déjà. Il va bientôt arrêter d'écrire, vous le savez. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il parle de ses goûts, de ses références culturelles. Et il dit « J'aimais les peintures idiotes, ben, on ressent que la peinture de Cézanne est un petit peu de ce ressort-là. J'aimais les peintures idiotes, les dessus de portes, les décors, les toiles de saint-elbanque, les enseignes, les enluminures populaires, la littérature démodée, le latin d'église, les livres érotiques sans orthographe, etc. etc. » En fait, ce que dit Rimbaud, c'est le souhait, l'aspiration de beaucoup d'artistes de trouver leurs références dans des modèles qui sont dans des expressions qui ont été souvent méprisées. Les opéras vieux, les refrains niais, les rythmes naïfs. En fait, toute cette révolution un petit peu, alors elle n'est pas encore éclatante, Rimbaud, personne ne lit Rimbaud, c'est juste un poète voyou, on pourrait dire. Mais petit à petit, on voit bien que dans la littérature, dans la peinture, dans la poésie, on a ces artistes qui veulent d'autres modèles culturels. Et ça va amener à la production d'œuvres limites, finalement. Ici, quelque chose de très important, c'est l'album zutique. Ça vient du mot zut, tout simplement, qui est pas mal utilisé dans l'album. C'est un album, donc, manuscrit, non destiné à être publié, écrit par Rimbaud, Verlaine, Charles Cros, qui est de l'Aude, comme vous le savez, Germain Nouveau, etc. Et là, ça va être des poésies, des parodies, des poésies transgressives, bref, tous les scandales imaginables que l'on peut produire en littérature vont être écrits dans cet album zutique, qui est peut-être une des premières œuvres limites, c'est-à-dire qui va très loin dans la contestation des formes artistiques. En musique, la musique qui est un art qui mériterait lui aussi sa conférence, il y a un auteur que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Eric Satie, c'est un auteur, un musicien délicieux qui a écrit des ballades mélancoliques, etc. Il y avait cette radicalité aussi chez Eric Satie, qui était du côté de ces poètes, de ces artistes qui voulaient justement
un peu briser les modèles et passer à une autre forme d'art. Éric Satie va écrire un morceau qui est très 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 intéressant, mais ça je m'en remets à mes amis musiciens. Donc c'est Vexation, on est en 1893, je ne sais pas si vous y voyez bien. La partition, bon, on le sent bien, c'est assez simple, c'est une noire, deux croches, deux noires, deux croches, quatre croches, etc. Mais en fait, ce morceau, il doit être joué 840 fois de suite. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que vous voyez bien que 1893, Wagner est mort il y a à peine 10 ans. On est encore entre Saint-Saëns, le wagnérisme, Debussy qui émerge. Il y a des querelles très savantes en musique. Et Éric Satie, ben, un peu comme Rimbaud, il se dit qu'il va revenir à des rythmes très naïfs, très simples. Hein, je pense que c'est simple. Voilà, il va revenir à des rythmes très simples, sauf que comme c'est un homme très malicieux, il va avoir cette idée, je trouve, qui a une certaine beauté philosophique, c'est de revenir à une simplicité absolue de la musique, mais cette simplicité, il va la corser de quelque chose qui, au fond, la rend impossible. Alors, impossible, car jouer cette phrase 840 fois, ça prend entre 9 et 12 heures. Donc c'est rare les musiciens qui peuvent jouer un morceau qui dure entre 9 et 12 heures. Et si vous trouvez un musicien qui peut jouer ce morceau, rares sont les auditeurs qui pendant 9 ou 12 heures vont écouter un morceau comme ça. Donc voilà, œuvre limite, puisque en fait, elle est impossible tant du côté de l'interprète que de l'auditeur. Mais je vous rassure, si vous souhaitez l'écouter, elle est en intégralité sur YouTube, vous pouvez la trouver. Je ne l'ai pas fait, j'ai écouté le début, parce qu'en plus, Éric Satie, vous savez qu'il avait beaucoup d'humour. Hein, là, ça se voit, bon, tantôt c'est un dandy, tantôt c'est quelqu'un qui fréquente les guinguettes. En fait, Éric Satie est un mélodiste merveilleux, il a écrit des choses splendides. Ce morceau est particulièrement laid. C'est pas joli. Donc pendant 9 et 12 heures, il faut écrire un thème qui n'est vraiment pas beau. Voilà, depuis Charles Nodier jusqu'à Arthur Rimbaud, en fait, on sent bien que la terre bouge un petit peu dans le domaine de l'art. Ça y est, ça commence vraiment à exploser. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, mais je ne veux pas non plus être trop dire de choses, mais 1873, l'année où Rimbaud écrit ce manifeste fracassant qui est la saison en enfer, c'est aussi le salon des impressionnistes, c'est le salon des refusés, où pour la première fois les impressionnistes vont exposer. Donc des dates très très importantes. Cette période d'artistes un petit peu héroïques qui aiment aller chercher dans les vieux tiroirs tout ce qui a échappé à l'art pour le remettre au premier plan, peut-être qu'elle s'achève avec un brio fantastique à travers ces trois figures qui sont malheureusement trois météorites, trois hommes, trois jeunes hommes à la fois magnifiques, des dandys qui ont créé des œuvres absolument incroyables. Arthur Cravan à gauche, donc, qui est un poète anglais mais qui écrivait en français, que vous voyez ici boxer en pleine campagne. C'était le neveu d'ailleurs d'Oscar Wilde. Donc vous voyez, il meurt très jeune, il meurt à 31 ans. Et il ne meurt pas, il disparaît. Il prend un jour le bateau dans le golfe du Mexique, on ne l'a jamais revu. Jacques Rigaud, c'est un écrivain qui va influencer beaucoup de monde, même si lui se tient en marge de tout le monde. Il va se suicider à 31 ans. Et enfin, Jacques Vacher, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Jacques Vacher, qui est ce jeune homme, ce jeune soldat qui se suicidera à la fin de la guerre. Alors, pourquoi je dis que cette période un petit peu de séisme se terminerait symboliquement avec eux? Eh bien, je pense parce que ces hommes-là, ils n'ont pas vraiment créé d'œuvres au sens où on l'entendait jusque-là. On l'a vu, Cézanne fait des tableaux, Arthur Rimbaud fait des recueils de poésie, même s'il s'arrêtera d'écrire. Jacques Vacher ne va jamais écrire de livres, il va écrire des lettres. Heureusement, il rencontrera blessé André Breton. André Breton est infirmier à l'hôpital de Nantes. Et ils vont se lier d'amitié. Et donc, c'est André Breton qui va rendre célèbre Jacques Vacher, puisqu'il va ne cesser de dire que le surréalisme doit beaucoup, voire tout, à Jacques Vacher, à sa liberté absolue. Jacques Rigaud,
va publier quelques textes quand même. Il va publier, je crois, 8 textes de son vivant dans des revues tirées à très très peu d'exemplaires, on peut s'en douter. Voici son texte le plus célèbre, donc au milieu. Donc c'est l'Agence Générale du Suicide. C'est une fausse publicité de création d'une agence de gens qui veulent se suicider. Donc une société avec un capital de 5 millions de francs. Vous ne pouvez pas lire, mais voilà. C'était le type d'œuvre donc de Jacques Rigaud. Toute son œuvre est publiée chez Gallimard aujourd'hui. Vraiment, je vous conseille de la lire. Elle est absolument extraordinaire et flamboyante. Et enfin, Arthur Cravan, il va créer une revue qui s'appelle Maintenant. Il y aura 5 numéros de cette revue. Cette revue, il est le seul contributeur. Ses textes sont incroyables, d'une liberté de parole complètement transgressive. Mais Arthur Cravan, tout comme Jacques Rigaud et Jacques Vacher, c'est faire des œuvres, c'était pas ça qui les intéressait vraiment. C'était plus comment s'imprégner de l'art leur permettait d'accéder à un style de vie dans lequel ils accédaient à une totale liberté. Et cette liberté, ils l'ont fait ressentir à d'autres, soit par des filiations par d'autres auteurs, ou alors, dans le cas de Arthur Cravan, tout simplement dans son grand combat de boxe. Donc Arthur Cravan boxait un petit peu. Au début de la Première Guerre mondiale, il part en Espagne. Et là, il décide d'organiser un grand match de boxe à la, vous voyez, Plaza de Toros Monumental de Barcelone. Donc, vraiment, il y a énormément de monde, puisqu'il défie Jack Johnson. Donc, qui est Jack Johnson? C'est tout simplement le champion du monde de boxe des poids lourds. Donc Arthur Cravan, poète, auteur de 5 numéros d'une revue tirée à 5 exemplaires maximum, va défier donc le plus grand boxeur du monde, qui va venir et évidemment lui mettre une pâtée au sixième rang. Alors c'est intéressant parce que ça dénote cette passion pour la vie qu'avaient ces hommes-là, même s'ils sont tous morts jeunes, ils ont brûlé évidemment, ils ont brûlé la chandelle de leur vie. Mais en plus, ce qui historiquement est intéressant, c'est qu'à travers ce combat de boxe, eh bien, Arthur Cravan venait d'inventer le premier happening. Alors, ces 3 artistes sont vraiment merveilleux. Enfin, moi, j'ai envie de vous inciter, je suis passé très vite parce que sinon ça pourrait durer un petit peu longtemps. J'ai vraiment envie de vous inciter à les lire parce qu'ils donnent du plaisir, ils sont vraiment très très marrants. Et je pense qu'ils ont une énergie déjà qui préfigure ce que sera un petit peu le rock'n'roll, voire le punk. Mais voilà, Arthur Cravan, Rigaud, Vacher, je dirais, ils ont eu des bébés, ils ont fait des enfants, ils ont eu une filiation. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé après, ben, c'est eux qui ont un peu essuyé les plâtres. Mais pour rester un petit peu fidèle à l'esprit de cette conférence, qui était un petit peu d'évoquer avec vous des œuvres. Alors j'ai envie de dire célibataire, des œuvres célibataires pour reprendre un mot qu'affectionnait Marcel Duchamp, c'est-à-dire des œuvres qui ne peuvent pas faire de bébé, puisqu'elles sont totalement circonscrites à leur propre dimension. Alors je voudrais évoquer, si c'est possible, est-ce que j'ai le temps de pendant 10 minutes d'évoquer Jean-Pierre Brisset avant de la seconde pause? Alors, Jean-Pierre Brisset, voilà, un personnage complètement attachant, Jean-Pierre Brisset. Il est né en 1837, il est mort en 1919, il est né dans un petit village normand, à La Ferté-Macé. Il vient d'une famille très pauvre, il est quand même scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qui est quand même pas mal pour son époque. Après, il est apprenti pâtissier. Ensuite, il est militaire. Il est militaire, ensuite il est maître nageur. Et enfin, il passe le concours de chef de gare et il est reçu chef de gare. Donc il sera chef de gare à Angers. Mais l'intérêt de la vie de Jean-Pierre Brisset, ce n'est pas vraiment, ce ne sont pas ces éléments un petit peu de biographie technique, mais c'est plutôt son projet artistique qui tourne autour des grenouilles. Alors,
Donc Jean-Pierre Brisset va écrire des livres qui vont lui demander toute l'énergie de sa vie. Le premier, c'est La natation ou l'art de nager appris seul en moins d'une heure. Il faut plus de temps pour lire le livre que pour apprendre à nager. Mais c'est un ouvrage qu'il publie en 1870 avec des figures. Et en fait, Jean-Pierre Brisset, c'est vraiment, on a parlé des fous littéraires, on peut le caler là-dedans, mais son œuvre est d'une richesse absolument extraordinaire. Il fait ce livre en même temps, il fait deux brevets de ceinture natatoire, donc il va toujours jusqu'au bout. Mais il y a un second aspect de son œuvre, c'est celui-là, c'est un peu l'œuvre culminante de sa vie, c'est le mystère de Dieu est accompli. Alors, le mystère de Dieu est accompli, il repose sur une thèse simple que vous aviez déjà peut-être formulée vous-même, à savoir que l'homme descend de la grenouille, les grenouilles parlent français, et en questionnant, en tordant notre vocabulaire, nous tous qui parlons le français, nous pouvons recommuniquer avec nos ancêtres, les grenouilles. Et donc tout ça, c'est des démonstrations absolument... Alors je vous ai mis des extraits de texte parce que c'est un écrivain délicieux, savoureux, généreux. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il vous prend par la main, il va vous l'expliquer pendant des pages et des pages avec un véritable amour pour la langue et un véritable amour pour les grenouilles. Alors par exemple, ici vous voyez à gauche, donc... le point de départ, hein, vous voyez, à gauche, là, le deuxième paragraphe, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais donc sa conclusion, déjà, c'est que nous le voyons toujours vivre, notre premier ancêtre, dans les mares et les marais, cet ancêtre, nous l'avons déjà nommé, c'est la grenouille. Donc, en fait, l'idée, c'est que la grenouille, donc, parle français. Et, en fait, si... toutes les questions que l'on se pose sur nos ancêtres, la réponse se trouve dans notre propre langue, puisque notre propre langue a été créée par les grenouilles qui parlaient français il y a des millions d'années. Alors voilà ce qui fait la force de l'écriture de Jean-Pierre Brisset. Parce qu'il ne peut se prêter qu'au rire, Jean-Pierre Brisset. Mais enfin, ce n'est pas un rire de mépris, c'est un rire vraiment délicieux, je trouve. Et... ce qui fait un petit peu l'originalité de Brisset, c'est ce que vous avez sur la page de droite. Il va décomposer le français pour trouver dans les mots français la preuve que c'est le langage des grenouilles. Alors, voyez, par exemple, voyons où ses ancêtres étaient logés. Logés, ça veut dire logé. J'ai l'eau ou je suis dans l'eau. Ça veut dire aussi logé. Je suis haut, au-dessus de l'eau. Car les ancêtres construisirent les premières loges sur les eaux. Los j'ai l'eau ou les eaux. On les mangeait ou l'on était logé. L'ancêtre était donc carnivore. Le oger, ça veut dire où je jette cet objet. Ou le j'ai d'eau, logé, je suis logé. Loge et, ça veut dire j'ai une loge. La première loge, loge, virgule loge, ça veut dire l'eau à moi, était un lieu arrangé dans l'eau. Voilà. Ça dure beaucoup de pages. Il a fasciné, tous ceux qui l'ont lu ont été fascinés. Alors, notamment, Marcel Duchamp a été fasciné par Jean-Pierre Brisset. Jacques Lacan, bien sûr, parce que là, on a vraiment toute cette déconstruction du langage qui lui était cher. Moi, pour ma part, quand je lis du Jean-Pierre Brisset, je pense que ça pourrait faire un slam assez extraordinaire. Alors, Jean-Pierre Brisset avait des moments, il faut bien le dire, autant je trouve qu'il est d'une tendresse extraordinaire, mais il avait des moments complètement paranoïaques, il faut bien le reconnaître. Ici, à gauche, si vous lisez, donc, les ancêtres vivaient donc dans les eaux, mares et marais. Ils y étaient doués de la parole et y créaient notre langue française actuelle qui continuera à être parlée sur la terre jusqu'à la fin des siècles. C'est à nos ancêtres, les dieux marins, que nous devons notre parole, notre langue, et non point aux mercenaires romains, comme voudraient l'établir les traîtres à la patrie qui allèrent au-devant de César et de ses légions et lui aidèrent à établir sa domination en prenant son argot latin et en l'imposant dans la vie publique à leurs concitoyens
qui ne méritaient pas d'être mieux traités. Ils encensaient d'ignobles prêtres, les druides, ces misérables brûleurs d'hommes. Et il continue, les démonstrations de l'origine du français en particulier et de la parole en général sont d'une clarté éblouissante. Nous les faisons en français car les créateurs de notre langue la parlaient plusieurs millions d'années avant les argots diaboliques, le sanskrit, le grec, le latin et le volapük. Voilà. Donc ce sont plein d'humeurs comme ça absolument contrastées. Je finis avec un dernier passage, parce que évidemment pour écrire ce livre, il faut aimer les grenouilles, il faut avoir un moi grenouille. Et donc, deuxième paragraphe de la page de droite. Un jour que nous observions ces jolies petites bêtes en répétant nous-mêmes ce cri, couac, une d'elles nous répondit, les yeux interrogateurs et brillants, par deux ou trois, couac. Il nous était clair qu'elle disait, quoi que tu dis ? Un autre jour, nous vîmes un mâle qui avait par trois fois manqué son accouplement, tourné le dos complètement avec un dépit marqué à la petite femelle trop remuante. Alors là, je vous passe un petit peu mais le cri des amours. Leur frais se fait dans l'eau où éclosent les têtards. Vous voyez, c'est un peu plus bas. À cette époque, le mâle fait entendre vigoureusement le cri « Queré ! Queréro, queréo, où l'on peut voir l'origine de créer et créo du verbe créer. Le cri couac redouble en même temps. C'est un vrai sabbat. Nous avons encore noté cora, cora, carré, caté, mais surtout le cri kékette. Ce dernier, etc. Voilà. Donc vous avez une empathie absolument merveilleuse de cet auteur. Je vous encourage à le lire pour le plaisir. Alors, quelqu'un qui est dans cette salle, à qui j'avais parlé de Jean-Pierre Brisset, m'a dit, ben oui, mais c'est le facteur cheval de la théorie. Alors, c'est vrai que c'est très juste, c'est très très juste, donc je verserai des droits d'auteur pour cette phrase, bien sûr. Mais le facteur cheval, je pense, vous le connaissez tous, hein, le facteur cheval avec le palais idéal à haute rive. Je pense qu'il y a quand même une... Alors, c'est pareil, c'est une œuvre obstinée de toute une vie. Mais il y a sans doute une différence, c'est la notoriété. Vous voyez sur les cartes postales, le facteur cheval, de son vivant, il est là au milieu, là, hein, vous le voyez ici, hein, avec sa casquette, sa canne. Et vous voyez, il y a déjà des visiteurs dans le parc, il y a des élégantes en haut, en bas, et il y a déjà des cartes postales qui sont tirées du palais idéal. Sur la carte postale de droite, on voit même le facteur cheval, qui fait semblant de construire son palais avec une mise en scène et avec écrit la légendaire brouette et son auteur. Dans le facteur cheval, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu une très grande notoriété de son vivant. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Jean-Pierre Brisset. Sa seule notoriété va être ironique. Des écrivains vont tomber... Donc, quand il écrit ses livres, il les envoie à tous les écrivains qu'il connaît, dont il connaît le nom. Et un jour, ces écrivains, menés par Jules Romain, décident de lui faire une blague. Et ils décident de faire une élection du prince des penseurs. Il va y avoir tout un cénacle à Paris. Guillaume Apollinaire va lire les livres de Jean-Pierre Brisset. Et après plusieurs tours, cette joyeuse compagnie un petit peu ironique va décider d'élire Jean-Pierre Brisset, prince des penseurs. Il était d'ailleurs opposé à Henri Bergson, qui a eu moins de voix que Jean-Pierre Brisset. Et là, ils vont aller jusqu'au bout de leur démarche un petit peu ironique. Ils vont convier Jean-Pierre Brisset à Paris. Donc vous le voyez devant la statue du penseur de Rodin, ben on voit bien le chef de gare qu'il est, s'est acheté une redingote, un chapeau de forme, c'est un moment très très important pour lui. Il y a toute une société qui l'entoure, bon, on sent bien hein, qu'il y en a pas mal qui rigolent, qui se moquent un petit peu de lui. Jean-Pierre Brisset va avoir une phrase grandiose, il va dire « on n'a pas besoin d'être nu pour penser », en désignant le penseur de Rodin. Et il va faire un discours devant les sociétés qui l'ont élu, et évidemment, par une sorte de cruelle ironie, lui ne sait absolument pas que l'on se moque de lui. Et les autres, de façon un petit peu cruelle, vous savez, ça fait penser un petit peu au dîner de cons,
Les autres, évidemment, se moquent vraiment de lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le témoignage de Jules Romain qui a monté cette farce, on se moque de lui parce que bon, mais il n'y a pas non plus de mépris absolu. Ceci étant, c'est vrai que la notoriété et parler de Jean-Pierre Brisset, c'est faire rire tout de suite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle André Breton lui consacre un chapitre dans son anthologie de l'humour noir. Michel Foucault, qui était quelqu'un de très sérieux, va lui consacrer un petit livre. Mais au fond, j'ai l'impression que la célébrité, un petit peu comme Nicolas Lagneau tout à l'heure, la célébrité et la place de Jean-Pierre Brisset, elle est du côté de ces fous littéraires dont on ne cesse de s'apercevoir de la richesse. Et je vous ai même mis à droite, pour conclure cette première partie, un équipement, moi, qui me semble absolument extraordinaire, qui a été créé aux États-Unis, qui porte le nom de l'écrivain américain Richard Brautigan. C'est la Brautigan Library. C'est une bibliothèque qui est composée exclusivement de manuscrits refusés. C'est-à-dire ce que vous, lecteurs, vous n'aurez jamais la chance de lire, puisque tout ce que vous lisez est passé par le filtre normatif, plus ou moins, de l'édition. Vous pouvez le lire si vous allez à Burlington, aux États-Unis, dans l'état du Vermont. J'en ai fini pour cette première partie.
Alors, j'ai voulu terminer un petit peu notre parcours à travers le temps, à travers les arts, avec le cinéma. On a vu un petit peu dans les exemples que je vous ai montrés qu'il y a toutes ces... dans l'art, il y a des sortes de lignes comme ça qui suivent des directions et qui ne se rencontrent pas toujours. Et on voit que ceux qui essayent d'attirer une autre ligne vers eux, ça se fait souvent dans une sorte de conflit culturel, artistique, en tout cas de démarche radicale. Moi, il m'a semblé, à tort ou à raison, que c'est peut-être dans le cinéma qu'on est dans des démarches qui fonctionnent très bien en complémentarité. Alors, le cinéma, on va bien sûr faire un petit retour à l'origine même du cinéma. On en a la chance, c'est le seul art sur lequel on a un recul historique et une chronologie précise. Il apparaît à la fin du 19e siècle. Il se répand très très tôt et partout, on va dire... je ne sais pas s'il marche bien. Mais bref, le cinéma se répand très très vite, très tôt. Et il va suivre des voies très très différentes. Parfois le cinéma peut être avec un ascendant artistique très fort, comme à gauche le Camille de Dr Caligari, qui est en fait dans un univers qui est inspiré de la peinture expressionniste allemande. Au centre, vous avez Fatih, alors on connaît pas mal évidemment d'auteurs burlesques, et bien sûr au premier rang desquels Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton, mais Fatih est un peu moins connu aujourd'hui, ça a été un très très grand personnage de cinéma burlesque, donc des courts-métrages, en fait sa seule qualité c'est qu'il était un petit peu enrobé, il faisait plein de pirouettes, il tombait toujours, etc. Mais ça a été un très très grand acteur. Et des genres vont apparaître, le western, ici avec l'affiche du premier western apparu, dans Le vol du grand rapide. Le cinéma va se nourrir d'univers artistiques très différents. Ça va être l'univers artistique un petit peu des foires, des fêtes foraines, comme celui de Jacques Méliès, avec ici cette photo de 20 000 lieues sous les mers, où on retrouve le génie des trucages de Jacques Méliès. L'univers, le référent culturel du cinéma, ça peut être aussi parfois la grande peinture, le grand art. Comme ici, vous voyez les deux orphelines de Griffith en 1921. Ce tableau est absolument magnifique. On croirait voir un tableau du temps de Napoléon III, un tableau de Winterhalter par exemple. À droite, une photo du Napoléon, d'Abel Gance, où pareil, on a l'impression de voir de la grande peinture du 19e siècle, cette peinture un petit peu dramatique, ténébriste. Voilà, plusieurs univers esthétiques, plusieurs directions, et comme je vous le disais, un cinéma qui s'immisce absolument partout, dans tous les lieux. Je vous ai dit que le cinéma apparaissait à la fin des années 1890, la première... séance de cinéma à Narbonne, c'est 1896. Donc il y a une sorte de propagation absolument immédiate.
On va faire des séances de cinéma, des cinémas ambulants, on va construire des cinémas en dur. On va même ici, comme c'est le cas à Narbonne, vous reconnaissez peut-être la salle des synodes, donc, qui a été transformée en cinéma. Très tôt vont apparaître les ciné-clubs, c'est-à-dire c'est des programmations un peu indépendantes où on va vouloir montrer des films de qualité. Le premier ciné-club qui apparaît, c'est en 1917. Voilà. C'est Louis Deluc, hein, le célèbre critique cinématographique Louis Deluc, qui a donné son nom à un prix, qui va créer les premiers ciné-clubs. Donc voilà, une expression extrêmement forte, ici avec des feuilletons. Parfois les films étaient uniques, parfois c'était des feuilletons, comme ici la saga des vampires de Louis Feuillade en 1915. Il y a véritablement une surproduction de films, beaucoup de cinéastes déjà de très grand talent, et apparaît ce genre un petit peu étonnant que l'on peut appeler le nanar. Le nanar, il semble qu'il soit né en même temps que le cinéma. Ici, je vous ai mis une photo assez démonstrative, je crois qu'il fait bien comprendre ce qu'est un navet. Donc, c'est une photo de Machiste et Alpino de 1916. Alors, Machiste, c'est un personnage de cinéma italien qui est récurrent, que l'on va trouver dès le début du cinéma, mais jusque dans les années 1970. Et avec Machiste, donc, qui est un homme dont la seule qualité, c'est d'avoir une force physique absolument incroyable. Donc là, vous le voyez, il prend un soldat pour taper sur les autres. On a affaire à des films qui ne sont pas très fins, on va dire, au niveau du propos artistique, et qui vont être plutôt tournés vers un public populaire, puisque le cinéma a cette qualité, cette chance d'être un art absolument populaire. Donc dès le début apparaît ce que l'on peut appeler le navet, et le navet va cohabiter avec le grand cinéma. Il y a même dans le nanar des génies du nanar. L'un d'eux, c'est Ed Wood, que vous connaissez peut-être. Il a eu la chance d'avoir été honoré par un film de Tim Burton. Donc, Ed Wood était un cinéaste dont un de ses films les plus célèbres, vous avez l'affiche au milieu, c'est Plan 9 from Outer Space. Un film horrible, avec des trucages ridicules. Par exemple, il y a des soucoupes volantes, ce sont des assiettes qui volent suspendues par des fils. Voilà, donc on voit les fils, on voit que c'est des assiettes. Une direction d'acteurs inouïe, c'est-à-dire des acteurs qui jouent, on se demande comment c'est possible. Il a quand même réussi à avoir, vous voyez en bas de l'affiche, le célèbre Bela Lugosi, donc ce grand acteur complètement déclassé, qui va finir ses jours à Hollywood et qui va tomber entre les griffes donc de Ed Wood, qui va produire avec lui des navets incroyables. Il y a une actrice qu'on se doute, que vous voyez à droite, vous voyez dans une des scènes de Plan 9 from Outer Space. Voilà, donc qui est un film un petit peu qui symbolise ce qu'est le nanar. En même temps, le nanar, donc, qui est une sorte de forme de cinéma un petit peu inférieure, entre guillemets, en termes de reconnaissance artistique, va être le premier à traiter de thèmes complètement novateurs pour la société. En haut, vous avez Ed Wood lui-même dans un pull angora et avec une perruque de femme blonde. C'est son film qui s'appelle Glenn or Glenda, et qui est sans doute le premier film sur l'histoire d'un homme qui veut être une femme. Et ça se traduit donc par ce pull angora blanc, par cette perruque blonde, voilà. Déjà un sujet de société qui aujourd'hui semblerait vraiment dans l'air du temps. Mais voilà, Ed Wood a déjà traité, avec sa façon à lui, qui est absolument sidérante, il aura déjà traité le sujet. Par exemple, vous savez que le cinéma, ça repose beaucoup sur le montage, c'est-à-dire qu'on tourne des scènes et puis après, il y a une façon de coller les scènes, de les organiser de façon logique. Voilà. Chez Ed Wood, le montage, je ne sais pas comment dire, il bave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de fluidité.
C'est stupéfiant, voilà. Il y a des gens morts que vous retrouvez dans des scènes d'après, des choses comme ça. Alors, Ed Wood a une vie, mais c'est pareil, c'est une vie très, très, très touchante. Et aujourd'hui, il donne lieu à un véritable culte, hein, Ed Wood. Ça a été un des grands maîtres du nanar. Je vous conseille de voir ses films, mais qui ne sont pas si faciles à voir que ça, tellement ils sont épouvantables. Ed Wood avait une certaine emphase, une emphatique prétentieuse, à tel point qu'en général, on ne comprend vraiment rien dans ses films. Le nanar va plutôt donner dans la légèreté, avec ici, donc les Américains n'ont pas le monopole des nanars, deux très grands faiseurs de nanars français. J'ai nommé Max Pécasse avec son inoubliable On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, et Philippe Clerc avec Tais-toi quand tu parles, avec Aldo Maccione. Voilà, donc tous ces films-là, on en a tous vu, on s'est régalé. Alors, on est parfois bien content quand on peut en voir. Et je crois que c'est ce qui fait un petit peu la force des œuvres déclassées, entre guillemets, au cinéma. C'est qu'autant on a vu en peinture ou en art que parfois les œuvres qui étaient différentes semblaient très isolées. C'était un peu comme des apax. Des apax, c'est un terme de linguistique. C'est quand un mot, il n'en existe qu'une occurrence. Par exemple, dans les hiéroglyphes, il y a plein de hiéroglyphes, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire parce qu'ils ne sont là qu'une fois. Et on ne peut pas les mettre en relation avec d'autres qui nous perdent. Voilà. Donc la PAC, c'est quelque chose, c'est un mot qui n'advient qu'une seule fois en littérature. Et on a vu que parfois, pour les œuvres d'art, il y avait une sorte d'isolement, d'œuvres célibataires, comme moi j'essayais de le dire tout à l'heure. Dans le cinéma, on a vraiment l'impression que les nanars plaisent à la fois à tout le monde, c'est-à-dire ils plaisent à ceux pour qui ils sont faits, c'est-à-dire un public populaire qui aime bien s'amuser, qui aime bien la parodie, qui aime bien les jolies filles, qui aime bien Aldo Maccione, etc. Mais en même temps, ils plaisent aussi à un public beaucoup plus cultivé. Ont leurs acteurs fétiches. Alors là, vous pouvez reconnaître à gauche Pierre Mondi, derrière Jean Lefebvre, Aldo Maccione, à droite Aldo Maccione, qui joue avec, ici, Marcello Mastroianni. Ce qui est très rare, puisque en général, les acteurs qui jouent dans des nanars ont tendance à ne jouer que dans des nanars. Alors ici, vous en avez quelques-uns de plus ou moins connus. Vous avez en haut Paul Prébois dans un chef-d'œuvre, Mon curé chez les nudistes. En bas, vous avez Jean-Claude Van Damme qui vous montre comment se débarrasser d'un serpent à sonnette. Et à droite, vous avez un acteur, moi, que je trouve d'une plastique incroyable. C'est Mike Abbott. Donc, c'est l'époque de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger. Et donc lui aussi, c'est vrai qu'il a les bras, il sait tenir la mitraillette, mais c'est vrai qu'au niveau du visage, moi j'arrive pas à ne pas trouver ce visage étonnant. Alors voilà, ça c'est vraiment des acteurs qui ont toujours fait du nanar, et c'est d'ailleurs pour ça que ces films marchent bien, c'est qu'il y a une sorte de rythme, d'accoutumant, ces acteurs, ils donnent le meilleur, ils sont complètement à l'aise dans ce film. On a vu l'autre fois que parfois, certains... vous vous souvenez, je vous expliquais que Magritte avait fait La période vache, c'était une sorte d'écart dans sa carrière. Il en va de même pour le nanar. Parfois, des très très bons réalisateurs, de très grands acteurs, vont sombrer corps et âme dans le nanar. Donc, ici, Zardoz de John Boorman en 1974... c'est d'autant plus étonnant que le film précédent de John Boorman, que vous connaissez peut-être, qui est quand même un très grand réalisateur anglais, c'était Deliverance. Deliverance, c'est un film absolument sidérant, d'une audace, d'une force incroyable, qui est resté un film marquant pour tous ceux qui l'ont vu. Enfin, c'est un film que l'on regarde, que l'on re-regarde encore. Voilà donc Zardoz avec à droite une tête volante qui est en pierre, qui est une récurrence du film. Mais surtout, je tenais à vous montrer cette photo de gauche, car vous avez reconnu Sean Connery, c'était quand même le sex symbole de l'époque, c'était James Bond. Et on se demande ce qu'il allait faire en slip orange à bretelles
avec des cuissards et une queue de cheval dans ce film de John Bonsai. Voilà, il y a des cinéastes qui parfois peuvent faire des navets ou des grands acteurs qui peuvent, voilà, quand on pense qu'il a joué chez Hitchcock et qu'on le retrouve après comme ça, c'est quand même un cinéma. Voilà. Alors, quelques affiches de films que vous avez peut-être pas vu, il faut être honnête, Darle Invincible, le 2. Donc déjà, même au niveau des affiches, on voit bien que tout ça, ça procure un plaisir génial de voir cet homme torse nu avec un sabre, qui tient une fille avec une guitare, avec un tigre et un aigle dans les rues de New York. À droite, Ninja Opération 7, Royal Warrior, donc avec Mike Abbott que vous reconnaissez. Et il y a encore un tigre, d'ailleurs, vous voyez, sur l'affiche. Et des scènes de ninja qui, bien évidemment, ne sont pas parmi les plus belles scènes de ninja que l'on puisse voir au cinéma. Tout comme le cinéma, et je crois que c'est Serge Danet qui disait que le cinéma, c'était le monde. Moi, je trouve cette phrase, elle peut tout dire, mais elle est très vraie. Et on s'aperçoit par la vitesse de propagation du cinéma, on l'a vu historiquement, mais aussi l'universalité de ces formes d'expression. Alors là, on est dans le navet européen, mais les Européens n'ont pas le monopole des navets. Donc vous avez à gauche un film pakistanais, donc je ne pourrais pas vous donner le titre, mais vous pouvez juste voir donc qu'il y a un homme avec deux poignards qui est en train de planter, de tuer deux lions qui l'attaquent simultanément. Et c'est quand même pas facile à faire, surtout en regardant la caméra. Et à droite, vous avez, là j'avoue que c'est stupéfiant, c'est Bruce Lee, donc ça c'est un film philippin. Donc après Bruce Lee, on a Bruce Linito, agent 003 et demi. Non, c'est vrai que c'est ridicule. Le sous-titre d'une finesse folle du film, c'est « Sa taille lui permet d'arriver à certaines parties ». Voilà, puisqu'en fait, c'est un agent secret nain. Voilà. Donc voilà, donc on est vraiment dans cette culture, mais ce qui est extraordinaire, c'est que elle donne de la joie, elle donne du plaisir. Voilà, on a carrément envie de les voir tout de suite, séance tenante. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que il y a véritablement quelque chose d'identitaire, de national dans le navet, de politique aussi. Il ne faut jamais sous-estimer le navet. Vous avez par exemple la Blaxploitation, ça a été tout ce courant de cinéma, de musique aux États-Unis. Donc c'est Blacula, le vampire noir, très 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 bon film. Donc le Blacula, le vampire noir, c'est politique, c'est un cinéma fait par les Afro-Américains, pour les Afro-Américains, qui en ont marre de voir toujours des Blancs avoir les premiers rôles. Donc ils font leur film à eux, il y a des pépites en musique, en cinéma, dans la Blaxploitation, c'est inépuisable. À droite, vous avez Godzilla, que vous connaissez aussi sans doute. Alors à la fois, ce qui est formidable, c'est tout de suite l'impact populaire qu'ont ces films et tout le sens politique qu'il y a derrière Godzilla. Il est né après Hiroshima, donc dans la culture populaire, c'est l'antise du retour de l'apocalypse, c'est l'antise du nucléaire, etc. Et vous voyez d'ailleurs dans une des affiches d'un des premiers Godzilla, hein, on voit les personnages et qui ont des casques, etc. Donc, le navet permet aussi de parler de ça, de prendre des revanches qu'on n'a pas pu prendre dans la vraie vie. C'est le cas, bien sûr, de Machiste, et là, un nouveau film des années 60, sous-titré « L'homme le plus fort du monde », on n'en doutait pas une seconde. Alors ça, ce sont des vrais navets, mais qui peuvent procurer un plaisir fantastique. Et je pense, si on veut parfois comprendre l'histoire des politiques des pays, il faut regarder vraiment ces films-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette porosité extraordinaire qu'il y a dans le cinéma et qui, je pense, n'existe que dans le cinéma. C'est-à-dire que le nanar est une des réalités fondamentales donc, du cinéma. Eh bien, il va inspirer des grands cinéastes. Quentin Tarantino, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu de ses films, Pulp Fiction. Alors, ce n'est pas un navet, mais c'est un film, comme tous les films de Quentin Tarantino, qui reprennent des codes, des tics, des tics de jeu, voilà, qu'on va trouver dans du cinéma, plutôt cinéma bis ou nanar. Donc un peu l'idée, c'est comment reprendre les codes, les travers des nanars,
pour faire des chefs-d'œuvre. Enfin, moi, j'estime que Tarantino fait des chefs-d'œuvre, puisque c'est des films qu'on peut voir une fois, deux fois, quatre fois, 10 fois, on s'en lasse toujours pas. Il va même y avoir cet exercice, alors là, encore plus étonnant, de cinéaste, comme le cinéaste grec Panos Koutras, qui va faire un nanar volontaire. Beaucoup de films que l'on a vus, elles sont des nanars parce qu'on n'a pas de moyens, parce que voilà, ce que l'on veut, c'est faire un film tout de suite, maintenant, pour parler d'une thématique. Mais on peut même avoir des réalisateurs qui vont faire des nanars volontaires, ou des films volontairement décalés, comme L'attaque de la moussaka géante. Alors, on peut s'imaginer avec ce titre que ça va être marrant, mais moi qui l'ai vu, je peux vous dire, ben non, ça a tout du nanar. Hein, c'est-à-dire que, alors c'est rigolo de voir une moussaka qui attaque Athènes, c'est vrai, ça c'est marrant, mais après, il y a tout ce côté du nanar, on voit que c'est mal fait, les acteurs jouent mal, etc. Et enfin, je voulais finir sur ce film qui, à mon avis, c'est un peu comme une mise en abîme, vous savez. Ce film absolument magnifique que vraiment je vous conseille de voir. Moi, c'est un film qui m'a enchanté. Alors, on a vu que Quentin Tarantino va prendre des tics du nanar pour faire son cinéma, que certains vont faire des nanars volontairement. Là, c'est encore autre chose. Deux jeunes gens, vous les voyez là sur l'affiche, ils tiennent un vidéoclub. Bon, évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils vivent de la location des cassettes. Suite à une catastrophe absolument absurde, c'est le cas de le dire, toutes les bandes sont démagnétisées. Toutes les bandes sont démagnétisées, donc les films sont vierges. Donc les gens viennent le soir pour prendre des films. Et eux, ils n'ont plus de films. Sauf que il leur faut louer des films pour vivre. Alors ils ont une idée. Ils disent, ah oui, mais attendez, vous aurez votre film dans 2 ou 3 heures, le temps qu'ils arrivent de Suède. Il me semble que c'est ça, d'où un film suédois, vous voyez, de Michel Gondry. Et donc, pendant le laps de temps qu'ils donnent aux clients, ils vont tourner le film. Et là, vous voyez à gauche Robocop. Donc, avec des copains, avec des bouts de voiture, avec n'importe quoi, ils refont les films. Ils refont les films, ils les louent aux clients. Alors, et comme ça, ils refont tous les grands films du cinéma, L'amour aux trousses, etc. Donc, vous imaginez La guerre des étoiles, vous imaginez tourner ça je sais pas, dans votre appartement avec des boîtes de lessive, etc. Et ce qui est merveilleux, c'est que ben, le public adore hein, et les gens demandent de plus en plus de films. Donc eux, chaque fois, ils disent qu'ils font venir les films, voilà, ils prennent un petit délai. Et en fait, c'est un succès fou parce que les gens, finalement, préfèrent le Robocop version navet que le vrai Robocop. Alors ça ne va pas très bien se finir, puisque les grandes majors, quand elles vont s'apercevoir qu'on préfère la petite copie à l'original qui a coûté des millions de dollars, ça va très mal se finir, mais ça se finit dans un festin de joie absolument extraordinaire. Ce film, c'est une ode au navet, à la production de nanar. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a donné naissance à un genre. C'est que suite à ce film, s'est répandue l'idée de retourner des films comme dans Soyez sympa, Rembobinez. Donc je vous incite à aller sur Internet. Donc un genre a été créé à partir de ce film, c'est le suédage. C'est la création de films avec des moyens volontairement dérisoires. Donc pour vous, j'ai regardé hier le suédage du cinquième élément de Luc Besson, donc un film monstrueux avec des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres qui parlent un peu la langue de magma. Donc tout ça, c'est tourné dans un studio avec des gens enroulés dans des couvertures, etc. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a même un festival du film suédois, voilà, mais aux États-Unis. Voilà. Donc il me semble, moi, que c'est dans le cinéma qu'on trouve cette réconciliation un petit peu idéale, mais pas très idyllique, peut-être que j'embellis le tableau, mais on trouve cette possibilité de donner au nanar un rôle moteur au sein de l'art dans lequel il se trouve. Et voilà, donc ici, c'est quelques affiches qui vous montrent qu'il y
Il y a bien sûr un public pour les nanars avec des manifestations extraordinaires. Là, il y a le festival des jolies filles avec une mitraillette, King Kong, et à droite, donc, Hallucination Collective, et il y en a bien d'autres. Il y a les nuits excentriques de la Cinémathèque, etc. Voilà, avec le cinéma, je voulais un peu finir cette promenade à travers des sentiers un petit peu parallèles pour dire que cette réconciliation des différentes lignes qui constituent un art et la culture au sens large, elle est complètement possible et il faut vraiment la favoriser. Voilà, il faut faire du suédage. Voilà, je vous remercie. Thank you.
mérite de lancer la discussion. Donc, vous pouvez lui poser les questions si vous le souhaitez. Et il va se faire un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, est-ce qu'il y aura une suite? Saison 3. On achète. Déjà, il faut que Thierry Gomard et Stéphane Kowalczyk m'invitent à nouveau. Ça, je saurai tout à l'heure si cette éventualité... C'est pas sûr. Oh. C'est beaucoup de nanars ce soir. On va désigner quelqu'un, hein, s'il n'y a pas de questions. Louis-André, vous posez une question, s'il vous plaît. Moi, je peux donner une piste de discussion, peut-être. Il me semble que le... Attends, Thierry. Il me semble que le côté nanar, ça a été... Tu peux parler dans le micro, Thierry. Il ne marche pas dans le micro. Ah si, ça marche. Que le côté nanar a été exploité de façon très forte par ce phénomène que je trouve assez extraordinaire, des streamers, des petites vidéos internet, des youtubeurs. Je trouve que eux se sont appropriés de façon très, très personnelle, ont développé. Oui, vous avez raison. Enfin, moi, j'ai juste envie de renchérir. Le nanar, moi, je crois que ça génère un peu comme Jean-Pierre Brisset, beaucoup d'envie, beaucoup de tendresse. Enfin, c'est quelque chose qui est très abordable, en fait. Je crois qu'on a tous aimé des nanars. Je suis tout à fait d'accord. Ça t'a pas embêté de voir tous ces navets? Non, j'en ai vu certains avec toi d'ailleurs. Donc on a vu qu'il y avait une transgression, par exemple, chez Manet. Est-ce qu'on peut parler de transgression avec, je ne sais pas, les Charlots ou des films comme ça? Bien sûr que non. Il n'y a vraiment pas de transgression chez les Charlots, mais encore une fois, enfin, moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de... Ce qui m'apparaît, c'est que Manet... Il y a Manet parce que à cette époque, la peinture, c'est un territoire entouré de fils de fer barbelés. On n'y rentre qu'au terme de la carrière, au prix de tout un processus d'initiation complexe qui exclut beaucoup, qui est terriblement normalisant. Il faut se dire qu'on est au 19e siècle, la Révolution française est passée par là. Il y a une aspiration à la liberté, apparaît une classe, elle n'apparaît peut-être pas, mais ce qu'on appelle les intellectuels deviennent importants. Petit à petit, apparaît que l'idée que l'artiste ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, mais il fait ce qu'il a envie de faire. Avant, ce n'était pas le cas. Un artiste faisait ce qu'on lui demandait de faire. Donc il y a la transgression chez Manet et puis chez tous les autres, et chez Cézanne, etc. Parce qu'effectivement, il faut user d'une certaine virulence, d'une certaine radicalité. Alors aujourd'hui, effectivement, le déjeuner sur l'herbe, on trouve ça super joli à l'époque, mais c'était impensable. Parce qu'il y avait cette violence-là, comme ça, de la censure. C'est vrai que dans le cinéma, il me semble que le cinéma, il est né dans une... très très grande liberté, enfin, c'est ce que j'essayais de montrer, c'est que dès le début on a à la fois du cinéma très artistique, du cinéma très burlesque,
où on a un cinéma qui associe les deux, comme celui de Max Lender ou Charlie Chaplin, où à la fois on a un chef-d'œuvre du scénario, des scènes, du jeu, et à la fois un cinéma totalement populaire. Voilà. Ça, c'est pas de la différence qu'il y a effectivement entre le cinéma et la peinture. Il me semble que le cinéma, alors je ne suis pas historien du cinéma, on me contredira peut-être, mais que le cinéma a vraiment son carburant, c'est vraiment ça, cette liberté et cette faculté qu'il a peut-être plus facilement que d'autres arts d'aller piocher à gauche, à droite, sans se justifier, sans rendre de compte. J'ai répondu à ta question ? Oui. Mais moi, je me pose toujours la question de la transgression, en fait. Chez Manet, il me semble que ça fait partie d'un processus d'évolution du langage. C'est-à-dire que, par exemple, ce fameux tableau, les critiques y ont trouvé des anomalies, hein, sur le plan de la perspective, sur le plan de la lumière, des choses qui ne sont pas marrants, les critiques. Non, mais elles sont justes, les critiques. C'est-à-dire que, après, c'est la question, c'est est-ce que cette transgression est volontaire ou pas ? Mais elle fait partie, à mon avis, de l'évolution du langage. Maintenant, pour Eric Satie, c'est tout à fait différent, parce qu'on voit qu'il y a une provocation gratuite dans les 840 fois, que John Cage va reprendre effectivement après. Mais il y a surtout une provocation, parce qu'il y a une note, par exemple, avec deux bécards et un dièse. Ah bon ? Un musicien ne peut pas la jouer. Et c'est impossible à jouer, donc c'est vraiment une provocation gratuite. Et je veux dire, il cache pas son désir là, de provoquer. Tandis que chez Manet, il me semble que c'est très différent. Enfin, la peinture me semble que c'est assez éloigné de cette chose-là. Justement, en fait, moi j'ai vu un documentaire sur le tableau de Manet. Oui, je vais te passer le... Oui, alors j'ai vu un reportage sur le tableau de Manet, et apparemment ce qui avait choqué à l'époque, c'est surtout le regard de la femme, en fait. Surtout le regard qui brise un peu le quatrième mur et qui montre vraiment sa volupté, son vraiment son désir de provoquer, tout simplement. Et c'était vraiment axé là-dessus. Alors il y a deux choses. Alors c'est vrai que pour nous, c'est des codes qu'on n'a plus, on s'habille plus comme ça ou on se déshabille plus comme ça, je ne sais pas quoi en dire. Mais cette scène est scandaleuse à l'époque. C'est-à-dire, vous voyez donc deux hommes qui sont en train de discuter après un pique-nique. Il y a déjà il y a une jeune femme qui est nue, l'autre est en train de se baigner. C'est clairement... la sexualité n'est pas loin. Les gens s'en sont offusqués. On va rappeler que c'est l'âge d'or de la prostitution, de la syphilis, etc. Bon, alors, ils s'en sont choqués, mais enfin, on se demande vraiment pourquoi, vu que la prostitution était partout. Mais en fait, c'est vrai en tout cas que ça a choqué comme ça, mais je trouve que c'était très hypocrite. Cette société, d'ailleurs, était très hypocrite. Et après, ce qui a choqué, c'est à cette époque-là, la grande peinture, c'est l'habileté, le savoir-faire. Là, si vous regardez, par exemple, les arbres, ben, c'est pas très beau. La perspective, elle est ridicule. Cette femme qui est à l'arrière, elle est quand même assez grande. Enfin, donc il y avait une sorte, on maltraite aussi ce qui fait la noblesse de la peinture, le sujet n'est pas assez noble, et la technique. Alors certes, il y a des petits trucs qui sont très réussis. La peau de la femme, par exemple, est absolument magnifique. Vous parlez de volupté, c'est tout à fait juste. En bas à gauche, là, le panier, la nature morte est magnifique, les vêtements. Mais par ailleurs, sur ce tableau, il y a plein de zones qui ne sont pas assez bien travaillées. Et ça, c'était mettre à mal ce qui faisait la noblesse de la peinture. Donc, scandale, tableau refusé. Un public jeune, hein. Donc, moi j'avais une question, et apparemment c'est très difficile à définir ce genre d'œuvres qui sont inclassables par définition, mais est-ce que une des caractéristiques c'est quand même le lien avec l'art populaire, ou est-ce que c'est pas non plus une nécessité? Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement avec les problèmes de l'art brut qui sont absolument impossibles à définir? Oui, enfin, vous avez raison.
Ça, c'est une évidence. Dans le cas de Cézanne, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui est du ressort un petit peu de la peinture populaire. Mais je crois que c'est plutôt dans le cinéma que là, on va avoir la référence aux arts populaires. Dans les arts plastiques, je crois que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, voyez, là, c'est des scènes, pour revenir à Nicolas Lagneau, c'est un peu inclassable. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit populaire. Il y a quelque chose... Bon, après, qu'est-ce qu'on veut dire par populaire? Je ne sais pas, mais... il me semble, moi, que c'est un art d'initié, en fait. D'ailleurs, j'ai un peu oublié de le dire. Ce qui est intéressant chez Nicolas Lagneau, c'est qu'il est présent dans toutes les grandes collections d'Europe. Un homme dont on ne sait rien, qui n'a sans doute fait aucun tableau, qui a fait des dessins, je le répète, et qui sont des dessins étranges et qui ont leur voix, mais qui ne sont pas les plus beaux dans leur catégorie. Enfin, regardez Adrien Brouwer, là on a un poids lourd. Mais cette voix-là, cette voix un peu plus ténue, un petit peu plus secondaire, je ne pense pas que ce soit vraiment de l'art populaire. Je crois que c'est un art de connaisseur. Et je pense que justement, ce qui a fait la force de Lagneau, et il a plu, parce que il n'avait pas... Ce qu'il y a à voir chez lui, ce n'est pas les détails. Les détails, il s'en fiche. C'est un peu cette idée étrange, à la limite du malsain, que de la bestialité. Enfin, quelque chose d'un petit peu... Quand on voit Socrate, en plus, voilà, il joue là-dessus. Comment peut-on imaginer que Socrate ait cette tête-là? C'est toute notre culture qui s'effondre. Enfin, vous voyez, je pense qu'il jouait là-dessus. Donc je pense que parmi ces œuvres, il y a effectivement des choses qui sont proches de l'art populaire, qui sont enracinés dans l'art brut, le cas de Jean-Pierre Brisset, de sa théorie incroyable sur les grenouilles. Mais il y a aussi des œuvres qui sont peut-être extrêmement, extrêmement sophistiquées, qui sont plus du ressort de l'art savant, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. Oui, en haut, il voulait poser une question. Et puis le petit en bas. Ah. Une autre question à droite. Juste une petite parenthèse, en fait. C'est que moi, franchement, en regardant ces deux images, j'ai vraiment pensé à quelque chose de brut, mais qui s'associait vraiment au street art, en fait. Mais ça part le fait que ce soit des personnages un peu... que ce soit des personnages illustres. Je trouve que même dans... Encore une fois, il y a quelque chose de maîtrisé, mais il y a quelque chose de non conventionnel aussi, qui me fait beaucoup penser au street art. C'est une remarque, c'est vrai, qui me fait regretter de ne pas avoir abordé effectivement troisième partie le street art. Tout pour revenir. Non mais là j'y connais rien, donc là j'avoue, là vous ne verrez pas sur ce terrain-là. Mais oui. Ouais, Basquiat, bien vu, bah ouais, bien sûr. Une question, je repose une question aux musiciens, c'est possible? Parce que, en fait, voilà, j'étais très intriguée, très touchée par votre musique et aussi par votre voix. Et la façon voilà, dont votre voix vient s'opposer, enfin, je sais pas, décolle avec la musique, enfin, c'est extraordinaire. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre musique, d'où ça sort, votre inspiration? Parce que là, on est dans les œuvres ne marchent pas droit et je trouve que. Enfin, ça va très bien ensemble parce que justement, ben voilà, c'est totalement intriguant et je trouve que ce serait chouette que... Je ne sais pas d'où vous sortez, voilà, j'ai l'impression que vous venez de... Vous êtes un extraterrestre. Et... merci tout d'abord pour vos compliments qui me touchent. Je ne saurais pas trop dire, mais je pense qu'il y a de... beaucoup d'influences différentes dans ma musique. On en parlait tout à l'heure avec Thierry, la musique occidentale savante, classique,
le jazz, la musique du monde. Et aujourd'hui, avec le mondialisme, Internet, c'est à notre portée de trouver de la nourriture un peu partout. Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, Thierry, savoir faire la différence entre vouloir s'accaparer une culture, ce qui est, on pense, peut-être une illusion, pouvoir jouer la musique indienne quand on est français, c'est peut-être impossible, peut-être pas. Mais en tout cas, je trouve de la nourriture dans toutes sortes de musiques. Voilà, pour moi, depuis que... Thierry a été mon professeur quand j'étais au conservatoire de Narbonne, il y a très longtemps. Au siècle dernier, je crois. On comprend mieux maintenant. Après, ce qui sort, en l'occurrence, je suis saxophoniste et je me suis mis à l'accordéon parce que j'étais tombé en amour pour cet instrument. Surtout le côté de l'instrument qu'on connaît moins, le côté moins traditionnel. C'est un instrument qui est relativement jeune puisqu'il a un siècle et des brouettes. Sous cette forme-là. Mais les premiers... Bon, oui, après son ancêtre, on pourrait dire que c'est l'harmonium, c'est-à-dire un orgue qu'on transportait pour faire toutes les cérémonies. L'organetto. L'organetto. Médiéval. Voilà. Oui. Voilà. Tu penses à l'harmonium indien ? Non. Ou je pense à l'harmonium. L'orgue portatif du Moyen-Âge. Qui sont en fait des petits frères de... voilà. Là, après, bon, on atteint un degré de technologie à l'intérieur d'un instrument comme celui-ci. Il y a 550 hanches en métal. Donc ça fait beaucoup. Et donc pour moi, c'est un instrument qui se rapproche du saxophone, par exemple, parce qu'il a l'air. Et je voulais vraiment pouvoir jouer plusieurs notes. Passer d'un instrument monophonique à un instrument polyphonique et aussi utiliser ma voix. C'était une manière de conserver un lien direct avec le saxophone, qui est un instrument que j'aime beaucoup mais qui ne me satisfait pas dans toute la musique que j'entends. Voilà, après, vous dire. Je sais pas. C'est de l'énergie. Il me semble que la musique, pour moi, elle a des couleurs. Et la possibilité d'envoyer une couleur, c'est la possibilité d'arroser, en fait, autour de soi, avec une énergie de diverses couleurs en fonction des émotions ou de ce qu'on a envie de dire. Voilà. Ça veut dire que les parties chantées sont des parties qui sont de l'improvisation ? Là, ce soir, à part le dernier, j'ai fait une valse, parce que j'en avais envie, c'est une de mes compositions, mais à part ça, tout était improvisé. Alors là, le deuxième mouvement, c'était vraiment influencé par tout ce que j'ai ressenti en écoutant Bertrand. Et c'était d'ailleurs, merci beaucoup parce que c'était très instructif et super. Ce qu'on essaye de faire dans le cadre des universités nomades, c'est un rapport entre le conférencier et puis la partie musicale, c'est-à-dire que si on invite des improvisateurs, c'est surtout pour avoir cette osmose-là, si elle peut se passer, et elle se passe. Et c'est pas toujours facile, parce que pour Guillaume, il fallait se nourrir du texte, hein, et essayer de ne pas paraphraser non plus. Ça, c'est pas facile pour un improvisateur. De prendre du recul, en fait. Oui.